l'humanité commémore le 16 juin de chaque année, la Journée mondiale de l'enfant africain. Instituée par l'Organisation de l'Unité africaine en juin 1991, en souvenir du massacre de centaines d'enfants revendiquant leurs droits lors d'une marche pacifique de ces derniers à Soweto, en Afrique du Sud, contre le régime d'apartheid. Le mouvement international ATD Carbone, à travers sa branche enfance Tapori, a célébré cette journée à travers plusieurs activités. À Bukavu, en nord du Congo, l'équipe Tapori a visité les enfants encadrés par la maison d'Ocas de la Fondation Ponzi pour renforcer la cohésion sociale entre eux, pour en donner un couleur. Ils ont partagé ensemble des messages d'amitié à travers le théâtre, le jeu, les poèmes et les danses. À Ouvira, les enfants Tapori et ceux de la bibliothèque Zikan, réunis autour de la thématique du 16 juin, se sont exprimés sur leurs droits et en ont profité pour présenter leur plaidoyer sur la protection des droits des enfants auprès des autorités qui ont pris part à cette activité. Ces dessins représentent les sentiments que je ressens au moment où je suis chassé de l'école car je n'ai pas payé les frais scolaires. Moi, c'est Olivier. Mon père est malade. Il y a longtemps qu'il se fait soigner. Mais ne guérit pas. Ça me rend triste. Burkina Faso, dans le cadre de la protection de l'environnement, les enfants Tapori ont créé des pépinières de mangue afin de les distribuer dans leur quartier, dans différents hôpitaux et dans les écoles. Au Sénégal, l'antenne régionale d'ATD Carmont a accueilli les enfants, les membres du mouvement ATD Carmont et certaines autorités. Les enfants en ont profité pour présenter un théâtre forum sur les droits à la participation et à l'expression, suivi d'un plaidoyer. Qu'est-ce que tu as, Aïcha? Aujourd'hui, tu es très calme. Non, c'est rien. C'est juste que je ne me sens pas bien. Depuis que je t'ai connue, c'est la première fois que je te vois dans cet état. Si tu nous dis ce qui ne va pas, il se pourrait qu'on trouve ensemble la solution. Si tu nous dis ce qui ne va pas, il se pourrait ensemble qu'on trouve la solution. Les enfants traduisent les mots bienvenus dans plusieurs langues. Pour lutter contre la discrimination liée à la pauvreté entre les enfants dans les écoles, en Centrafrique, les enfants parlementaires Tapori ont visité d'autres enfants de l'école Nicolas Barré pour leur partager les messages d'amitié et de paix. Ensuite, les parlementaires Tapori ont présenté un message de plaidoyer à l'hôpital pédiatrique pour demander un accès de santé en faveur de tout le monde. Tous les enfants n'ont pas la santé, à la
dit quoi? On dit que tous les enfants pauvres n'ont pas droit d'aller à l'école et pourtant toute personne a droit à l'éducation. On dit quoi? On dit que... Oh là là! Oui, j'écoute! Oh là là! Oui, j'écoute! Qu'attendons-nous? Pour devenir le maillot de notre génération afin de stopper les mauvaises pratiques pour un monde meilleur d'ici 2040. Ensemble, en Tanzanie, pour célébrer cette journée, les enfants Tapori ont compati à ceux de Goma qui ont été victimes de l'éruption du volcan survenu en mai 2020. Ils ont partagé aux autres de Goma le message de compassion et d'amitié. Les volcans sont un phénomène horrible dans la vie de l'être humain. On s'en sert condoléances aux enfants, comme nous qui vivons à Goma en RDC. La condoléance aux enfants qui ont perdu les habits, qui ont manqué la nourriture, l'école et toute autre chose. La condoléance à tous les parents qui ont perdu de vie leurs enfants. Dieu va vous aider. Merci. Au Burundi, les 16 juin 2020 a été une occasion aux enfants Tapori Kadiaga de se rencontrer pour discuter sur la situation d'inondation à laquelle ils ont été victimes dans leur quartier et par conséquent ils étaient déplacés pour un autre. À la fin de l'activité, chaque enfant a pu rédiger un message pour dénoncer les effets de l'injustice climatique dans la vie d'un enfant et son rêve pour l'avenir. Pour commémorer la journée de l'enfant africain au Kenya, les enfants Tapori de l'école Fireview Children's Center ont choisi le thème « Une Afrique en mille deux enfants » sur base duquel ils se sont réunis pour parler du droit de l'enfant. Aujourd'hui est un jour joyeux parce que nous commémorons la journée de l'enfant africain. J'apprécie votre engagement envers le succès de cette célébration. Je vous remercie également d'être ici. L'Afrique a vraiment valorisé l'éducation des enfants. Un nombre énorme d'enfants ont été inscrits dans diverses écoles. Un enfant africain a besoin d'être encadré. D'abord, nous vous remercions pour votre programme de mentorat persistant. Je veux entendre être témoin de fin de la maltraitance d'enfants, d'agressions sexuelles, des mariages précoces et des mutilations génitales féminines. Nous, les enfants, nous sommes les futurs leaders. Les enfants africains ont brillé comme des étoiles sur différentes plateformes à travers le monde. Au Cameroun, les Tapori ont partagé les messages d'amitié, de solidarité, de réconfort et d'encouragement aux autres 100 fois Tapori de Goma, victimes de l'éruption volcanique survenue en mai 2020. Oh, man.